Gloucester, Massachusetts. 30 octobre 2001, 21h. Un bon voyage. Tu vas râler, j'ai accepté une nouvelle mission. Et je sais, je t'avais promis de raccrocher. J'ai été contacté par un certain Johnson pour enquêter sur Shadow Island, sur Robin Morton et des tablettes Abganis. Ça ne te rappelle rien? Tu comprendras que je n'ai pas pu refuser et que je n'ai pas pu t'attendre. Je pars demain. Je t'ai laissé quelques notes dans le tiroir du bureau. À très bientôt, Carnby. Ah, j'oubliais. Si tu veux contacter Johnson, son numéro est le 555-14-95. Boston Police Department. Nom, Fisk. Prénom, Charles. Date de naissance, 17 février 1944. Date de décès présumé, 24 octobre 2001. Quelque part aux États-Unis, 31 octobre 2001, 18h43. Alors? Ils seront sur Shadow Island dans une heure environ. Carnby est incontrôlable, mais nous n'avions pas le choix. Et le professeur? Aline Cédrac est persuadée qu'Oben Morton est son... Nous n'avons eu aucun mal à la convaincre. Il me faut ces tablettes et leur traduction. Vous m'avez compris, Johnson? Oui, monsieur. Papa? Papa! Mademoiselle Cédrac? Aline? Réveillez-vous! Hein? Oui. Oui. Excusez-moi. Tenez, vous en aurez sans doute besoin. Vous avez votre radio? Oui, je l'ai. Aline, sur l'île, pour votre sécurité, vous feriez mieux de rester près de moi. Près de vous? Pourquoi y aurait-il un danger? J'ai été engagée pour authentifier une traduction de tablette Abganis. Je vais travailler avec le professeur Morton. Mon meilleur ami est mort à cause de ces tablettes. Il a été tué sur Shadow Island. Et je vous jure que je retrouverai celui qui a fait ça. Je suis désolée. Écoutez, je connais le professeur Morton de réputation. C'est un scientifique, un très grand chercheur. Pour moi, c'est d'abord un suspect. Nous approchons Shadow Island. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut sauter!
Carnby? C'est vous? Calmez-vous. Ça va aller. Venez me chercher tout de suite. J'ai atterri sur une espèce de manoir. Il fait noir. J'ai vraiment peur. Écoutez, allumez votre torche. Je vais vous repérer. Ok, c'est bon. Je vous vois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. Vous allez entrer dans le manoir. Il doit bien y avoir une fenêtre ou quelque chose. Vous trouvez une bonne planque et vous m'attendez. Mais... J'arrive. Terminé. Qui êtes-vous? Je ne connais pas le son de vos pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je cherche du secours. Vous n'auriez pas dû venir, mademoiselle. Cet endroit n'est pas fait pour vous, ni pour personne, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Obed, mon fils, est en danger, mademoiselle. Obed? Vous voulez parler du professeur Obed Morton? Les créatures de l'ombre. Il faut que vous l'aidiez. Il faut qu'Obed parte avec vous avant qu'il ne soit trop tard. Attendez, les créatures de quoi? Les créatures de l'ombre? Mais qu'est-ce que... Voyez-vous, mademoiselle, ici sur Shadow Island, les ombres sont vivantes. Elles viennent vous lécher le visage comme les flammes de l'enfer. Les ombres sont froides et acérées, comme des lames, et les ombres vous guettent. Ils se nourrissent de votre souffle et de votre chaleur, et surtout de votre peur. C'est la lumière qui combat l'ombre. Mais c'est aussi la lumière qui la révèle. Mais Obed vous expliquera cela mieux que moi. Où est-il? Comment le saurais-je? Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. La dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a confié cette clé. Une statue dans le fumoir. Prenez-la. Mais... chut! Écoutez. Je n'entends rien. Justement! Taisez-vous. Howard? Howard? C'est toi, hein? Howard! Mais que fais-tu à la fin? Qui est Howard? Il est mon mari, enfin! Le père d'Obed. Howard? Mademoiselle, je vous en prie. Allez voir dans le couloir. Il y a peut-être un problème. Howard? C'est toi? J'ai réussi à entrer dans le manoir. J'ai rencontré la mère de Obed. Elle m'a terrorisé en parlant de créatures de l'ombre. Vous croyez que... Du calme, du calme. Vous l'avez interrogée? J'ai essayé, puis elle s'est mise à appeler son mari Howard. Rien de plus pressé. Non, enfin si, elle m'a aussi parlé d'une statue dans une des pièces du manoir. Le fumoir, je crois. Je préférerais que vous restiez là où vous êtes jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester avec elle. Comme vous voudrez. Exactement. Yeah.
Bobby, ce n'est pas une île, c'est un cauchemar. Dans quoi vous m'avez entraîné? Un, je ne vous ai pas entraîné. Deux, je vous ai dit de rester planqué. Trois, j'en sais pas plus que vous. Mais d'où ça vient? Nous sommes passés dans une autre dimension ou quoi? Je vous dis que je n'en sais rien. En tout cas, si vous entendez appeler à l'aide, méfiez-vous. Je comprends pas. Vous comprendrez bien assez tôt. Tu n'as rien entendu? Je te demande de me répondre. Je te jure que j'ai entendu quelque chose. Arrête de fuir. As-tu, oui ou non, parlé de nos recherches à ce Lamb? Et toi, comment crois-tu que j'ai pu te fournir tous ces cobayes, hein? C'est ton problème. Ah non, ce n'est pas mon problème, c'est notre problème. Obed, écoute-moi bien. Cela fait des années que je supporte ta lâcheté et tes jérémiades. Mais c'est fini, maintenant. Depuis le début, tu connais mon objectif, et personne, surtout pas moi, ne t'a forcé à me suivre. Alors, si j'apprenais que tu nous as trahis, tu me connais. Tu sais que je n'aurais aucune hésitation. Ah oui, oui, je te connais. Tu es complètement fou. C'est toi? C'est toi qui as... Oui, c'est moi. Et alors? Ne te mets plus en travers de mon chemin. Retourne à tes paradis artificiels et laisse-moi accomplir notre destin. Thank you.
Bee, je suis tombée dans un vrai musée. Les collections des Morton sont impressionnantes. Aline, oubliez 5 minutes que vous êtes prof et concentrez-vous sur les moyens de vous en sortir. Si j'étais vous, j'essaierais d'éteindre la lumière. J'ai remarqué que sur cette île, la lumière jouait un double rôle. Tantôt elle révèle, tantôt elle dissimule. Je déteste les devinettes. Ce n'en est pas une. Mais... Professeur Morton ? Professeur ? Professeur ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue pour vous parler, je... Me parler ? Mademoiselle, on ne vient pas sur Shadow Island pour parler. Ici, parler ne sert à rien. Oh. Papa ? Carnby ? Carnby, répondez-moi ! Aline, je vous croyais morte. Moi aussi. Je ne suis pas faite pour cet enfer. Je veux que ça s'arrête tout de suite. Je vous comprends. Vous me comprenez, vous me comprenez. Vous ne comprenez rien du tout ! Je ne sais pas ce que vous, Johnson ou le professeur Morton me voulez, mais je veux juste que ce cauchemar s'arrête, et maintenant ! Aline, reprenez-vous. Où êtes-vous ? Dans une chambre. Obed Morton m'a endormi et m'a enfermé ici. Moi qui voulais l'aider. Votre professeur n'est peut-être pas si merveilleux que ça, à ce que je vois. Ne bougez pas, j'arrive. Vous n'avez rien de mieux à proposer ? Je voudrais bien vous voir à ma place, vous. Bon ben... Dépêchez-vous. Lamb, c'est vous ? Oh, n'en faites pas trop. Vous avez eu les documents ? Arrêtez ça, on dirait Alan. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Deux agents ne font pas le poids, c'est l'armée qu'il nous faut ! Vous êtes vraiment le dernier des salauds. Venez me chercher immédiatement. Lamb ! Lamb ? Non, 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 ne fais pas ça, je vais t'expliquer. Carnby, enfin. Vous allez me dire ce qui se passe.
Je ne le sais pas encore. Tenez, j'ai récupéré vos affaires. Merci. Je n'aurais jamais dû accepter que vous veniez. J'ai mes raisons pour être ici. Vous avez pu parler à Obed Morton ? Non. Et vous ? Oui, non. Je sais plus, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs Obed Morton. Ne vous emballez pas, c'est trop dangereux. Il faut que nous trouvions un endroit sûr où vous pourrez m'attendre. Écoutez, Carnby, vous savez comme moi que le seul endroit sûr se trouve à 2 heures d'avion. Je m'en suis pas si mal sortie jusqu'à maintenant. Et je compte pas rester à ne rien faire pendant le temps qu'il me reste à vivre. Je veux savoir. Tout à l'heure, j'ai entendu une voix qui venait du dessus. Il y a une trappe. Avec votre aide, je pourrais l'atteindre. Et pourquoi ne resterions-nous pas ensemble ? Nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit dans l'avion ? Allez, aidez-moi. Et si je refuse ? Vous ne refuserez pas. Nom de Dieu ! Je n'aurais jamais cru que mon salut puisse dépendre d'une femme. Vous avez su parler au miroir. Je sais ce que vous cherchez, et je peux vous aider à le trouver. Nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons. Nous avons tous besoin de savoir d'où vient le sang qui coule dans nos veines. Alors moi, Judas Desserteau, je vous propose un pacte. Ce vieux sorcier de Dancho m'a dérobé mon miroir. Si vous me le rapportez, je lèverai le voile qui vous dissimule votre passé. Je sais que je peux vous faire confiance. Allez. Je sais que vous avez rencontré le fantôme du miroir. Comment le savez-vous ? Tous ceux qui viennent sur cette île maudite finissent par le rencontrer. Méfiez-vous de ses promesses. Qui est-il ? Un être maléfique, un suppôt de l'ombre, un corrupteur. Son pouvoir est immense, mais il l'a mis au service du mal. Et Obel ? C'est étrange. Je l'ai vu. Mais je ne suis pas sûre... Ne perdez pas de temps. Dites-lui simplement que je ne lui en veux pas et que j'ai besoin de le voir. Thank you.
Mon Dieu. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Allons. Allons, n'ayez pas peur. Faites comme Alice, venez à moi. Tout est tellement plus beau de l'autre côté du miroir. Allez, venez. Donnez-moi le miroir. Signez notre pacte. Je vous dirai qui est votre père. Comment ? Toutes ces années de doute et de douleur et maintenant vous hésitez ? Donnez-moi ce miroir. Maintenant ! Vous allez être fier de moi. Je suis déjà fier de vous. J'ai réussi à vaincre le fantôme de Decerto. Il détenait une statuette. Alors notre mission touche à sa fin. Vous en êtes sûr? Non, je disais ça pour nous donner du courage. Je vous félicite, mademoiselle, et j'admire votre courage. Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Eden Shaw. Je vous rencontre, enfin ! Peut-être allez-vous pouvoir m'expliquer ? Je veux parler à Obed Morton. Avant de lui parler, vous devriez aller dans son bureau. Vous en apprendrez beaucoup plus. Mais que lui est-il arrivé ? Nous n'avons plus le temps. Je suis le dernier chaman et j'ai besoin de votre aide. Mes ancêtres m'ont enseigné le rituel qui permet de détruire l'antre des ténèbres. Je dois l'accomplir cette nuit. Après, il sera trop tard pour le peuple des hommes. Nous devons arrêter l'ombre avant qu'elle ne répande sa froide noirceur sur notre monde. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il faut réunir les 7 statuettes de nos 7 dieux de la lumière. Alors, je pourrai accomplir le rituel. Alors, je pourrai devenir celui que les hommes blancs m'ont empêché de devenir, le dernier guerrier de la lumière. Je promets de vous aider, mais comment pourrais-je les reconnaître ? Chacun des 7 dieux a pour compagnon un animal divin. Les statuettes les représentent. Eden Shaw ? Eden Shaw ? Carnby, j'ai parlé à Eden Shaw, je suis sûre qu'il est Apkanis. Et alors ? Eden Shaw est un indien Apkanis, Carnby. Les indiens Apkanis ont disparu depuis le début du 19e. J'avoue que je ne me rends pas bien compte. Bon, passons. Il a besoin de 7 statuettes pour accomplir un rituel. C'est ce qu'il vous a dit ? Non. Il m'a dit qu'il ne lui restait plus de glace à la fraise. Carnby, évidemment que c'est ce qu'il m'a dit. Si j'ai bien compris, ces statuettes représentent des animaux. Alors nous ne devrions pas avoir de mal à les reconnaître. Dès que j'en trouve une, je vous appelle. Mmh.
Carnby, je suis dans le bureau d'Obed. Il y a un miroir étrange. J'ai comme l'impression que ça pourrait être un passage. Vous avez essayé de trouver une pièce mobile ou de le pousser? Rien ne marche. Alors il faut le briser. Encore? Mais ça va finir par me porter malheur. Alors, vous avez pu voir Obed? Malheureusement, je crois... Je ne comprends pas ce qui se passe. Obed a-t-il des ennemis? Qu'a-t-il fait pour que tout le monde lui en veuille autant? Et pourquoi m'avoir caché que vous aviez un autre fils? Alan? Cette bête immonde n'est plus mon fils! Il ne nous reste plus beaucoup d'espoir. Notre famille cache un lourd secret dont Alan est la cause, mademoiselle. Obed m'a remis ceci. Tenez! I know too well what it is. Oh, poor Howard! What have I done to deserve this hell? You must ask yourself the very same question, young lady. You did not end up here by chance. If the Lord allows you to escape, shed some light on your own life. You were born out of a misdeed and you are paying for that sin. Mais de quoi vous parlez? Vous le savez mieux que moi. Allez, partez. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Dans le fond, vous m'êtes très antipathique. Carnby? Travers de mon chemin. Il ne faut jamais tenter de lutter contre son destin, mais ta mort ne sera pas vaine. Ton corps va bientôt connaître une nouvelle jeunesse. L'ombre mêlée à ton sang fera de toi un être plus fort, plus rapide, un être complet, merveilleusement complet. Première injection, adieu, père. Deuxième injection, bienvenue, homme nouveau. Thank you.
Carnby. Oui, Aline. Je suis dans la bibliothèque. Je suis persuadée qu'elle ne m'a pas révélé tous ses secrets, mais... Ça, c'est sûr, vous n'aurez pas le temps de lire tous les livres qu'elle contient. Je pensais pas à ça. Oh, j'ai récupéré une sorte de cube de métal ciselé. Y a peut-être un lien ? Alors fiez-vous à votre intuition. J'ai encore besoin de vous, une dernière fois. Je savais que vous reviendriez. Avez-vous pu parler à Obed ? Pas encore, mais je suis sûre qu'il est vivant. Je dois vous dire... Vos fils sont des monstres. Non. Et c'est cette île qui est monstrueuse. Vous savez, mademoiselle, cette nuit n'est pas comme les autres. Et moi...
Je vais me laisser entraîner. Je vais me laisser sombrer. J'en ai assez maintenant. Je vais me reposer. Sauvez votre âme. Je vais essayer de commencer par le corps. Mais j'arrive pas à sortir de cette maison. Je n'ai que cette moitié de médaillon. Je ne sais pas comment vous l'avez obtenu et ne veux pas le savoir. Tenez, voici l'autre moitié. Je voudrais vous demander une dernière chose. Je vous en prie. Votre fils, Obed, vous a-t-il déjà parlé? Je veux dire, vous a-t-il dit qu'il avait un enfant? Une fille? Obed, un enfant? Mais avec qui? Obed ne s'est jamais intéressé qu'à ces maudits indiens. Obed a brûlé sa vie au feu d'une malsaine passion. D'ailleurs, comment en aurait-il pu être autrement? Mais pourquoi cette question? Pour rien, pour rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le ramener. Ne vous inquiétez pas. Non, vous ne ferez rien de tout cela. Je dois mourir et vous devez vivre. Tels sont nos destins. Au contraire, ayez. Allez en paix. Moi, je vais rentrer au royaume des ombres et Howard m'y rejoindra dès que vous l'aurez libéré. Merci, mademoiselle. Carnby, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Peut-être. J'ai aperçu un homme dans le fort qui domine l'île. Ça pourrait être Obed Morton. Et quoi? Non, je ne l'ai pas tiré comme un lapin. Pourtant, c'est tout ce qu'il mérite. Si lui et tous les tarés de sa famille n'avaient pas été dévorés par l'ambition, tout ce bordel n'aurait jamais eu lieu. Obed Morton a fait faire des avancées considérables à la connaissance qu'ont les hommes d'eux-mêmes. C'est un génie, passionné par son travail. Vous n'avez pas oublié d'être naïf, vous. Et puis qu'est-ce qu'il représente pour vous, Obed Morton? Je ne peux pas vous parler de lui sans que vous montiez sur vos grands chevaux. J'ai de bonnes raisons de croire que le professeur Morton... qu'Obed Morton... et... C'est mon père. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Les dates correspondent. Et on m'a remis une photo. Et c'est pour cela que vous avez accepté de venir sur cette île? Et il y a aussi les tablettes Apkanis. Tablettes Apkanis, tu parles? Mais bon Dieu, pourquoi ne pas lui avoir écrit? Pourquoi vous être précipité ici? Je n'entendrai la vérité que par sa bouche. À la réflexion, je vous comprends. Je devrais vous dire de rester planqué, mais... faites attention à vous, Aline. Et appelez-moi si vous avez un problème. Carnby, j'ai un problème.
Je sais que vous possédez une statuette. Il en manque encore 6. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas agi plus tôt. Vous auriez pu empêcher ce cauchemar. Je ne suis qu'un homme. Vous ne savez pas ce que représente pour moi le rituel. Mais le temps presse. Je sais qu'Alan s'apprête à ouvrir la porte. Et ce sera alors le déferlement. Vous savez que je veux vous aider. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. Alors donnez-moi une piste avant de disparaître. Allez au fort. Là est le véritable domaine des Morton. Là, vous percerez les secrets de cette île.
Où êtes-vous? Je suis dans les jardins. Il faut que je trouve le labo d'Alan. Je peux pas vous aider, je suis au fort. Mais pourquoi vous êtes si loin? C'est vous qui ne vouliez pas que nous restions ensemble. Je sais, je sais. Il m'arrive parfois de faire des erreurs. Parfois? Oh, ça va, n'en rajoutez pas. Carnby? Je suppose que vous êtes venu me chercher. Vous direz à Lamb que les tablettes n'ont plus d'importance. Alan a désormais la traduction. Et toutes les cartes en main. La porte va bientôt s'ouvrir. Les ténèbres se répandre sur le monde. Et les créatures se livrer au grand jeu des massacres. Toutes les armées de la Terre n'y suffiront. Plus rien ne nous sauvera de l'ombre. Vous devriez vous préparer à mourir, vous aussi. La nuit tombe sur le monde. Elle a glissé sa main froide à l'intérieur de mon cerveau. Arrêtez, arrêtez! Je veux juste savoir si vous avez connu Marie Cédrac. 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 Ce nom évoque un passé lointain. Ah, mais je n'ai que faire des souvenirs. Il faut que je l'empêche. Il faut que je l'empêche d'atteindre mes yeux. Marie Cédrac. Marie. Ah, mon sang bouillonne. Je sens mes os craquer comme un bloc de glace dans la poitrine. Vous êtes sûr de n'avoir pas connu Marie Cédrac? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas mon père? Moi, votre père. Moi, une fille. Je ne sais pas qui vous a mis cela en tête, mais... Sachez que c'est tout bonnement impossible. Et maintenant,
Laissez-moi me recueillir. Je veux me préparer à comparaître. Quand on porte, comme moi, le péché suprême en soi, il faut se préparer avant que l'ombre... Mais je vois... Carnby. Aline, encore besoin d'aide? Oh, faites pas le malin, je suis pas une professionnelle, moi. Il y a un coffre fermé avec une chaîne. Vous êtes bien plus professionnelle que les centaines de détectives que je connais. Je connais pas de meilleur moyen qu'une pince coupante. Et je la trouve où? Carnby? Carnby? Je crois que j'ai trouvé le moyen de rejoindre la porte Apkanis. Je crois que moi aussi. Attendez, attendez! Le tunnel est muré. Je dois d'abord faire sauter cet obstacle. Pour y arriver, j'ai besoin de reconstruire une sorte de perforateur. J'ai trouvé un texte de Jeremy Morton, mais le canon, j'ai l'impression qu'il est sérieusement endommagé. Peut-être y en a-t-il un de rechange, ou alors le moyen d'en fabriquer un autre. Ok, je vais voir. Admettons que j'y arrive, il me faudra encore trouver une source d'énergie. Le texte de Jeremy ne dit rien à ce sujet? Si. Attendez.
Il parle d'utiliser la foudre. Vous n'allez pas vous amuser à... Oh, mais pourquoi faut-il que cette galerie soit bouchée? J'ai lu dans le journal d'Alan que c'était Howard, le père des jumeaux, qui l'avait muré. Celui-là, vivant ou mort, il faut qu'il se mette en travers de mon chemin. Je ne comprends pas. Je vous expliquerai. Thank you.
Carnby. Heureuse de vous entendre. Où êtes-vous? Je suis arrivé au Cercle de Pierre. Je sais qu'il s'agit d'un lieu de culte Apkanis. J'ai même la marche à suivre. Vous savez, Carnby, tout ce que je vis depuis que j'ai failli me tuer en atterrissant sur cette île, j'ai l'impression que toute ma conception du monde et de la vie, toutes mes opinions, toutes mes certitudes, ont volé en éclats. Vous avez pu voir Obed Morton? Oui. Je crois qu'il a totalement perdu la raison. Je sens que vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Si. Il ne peut pas être mon père. Enfin, disons que je m'en doutais. Mais qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est Johnson. Il m'a montré une photo d'Obed Morton avec ma mère. Les dates concordaient. Je me demande vraiment quel intérêt il avait de nous envoyer ici. En tout cas, il aurait voulu se débarrasser de nous, qu'il n'aurait pas pu mieux s'y prendre. Je connais des moyens bien plus efficaces. En tout cas, si nous nous en sortons, je vous jure qu'il nous fournira de solides explications. Mais pour l'instant, je dois réciter une sorte d'incantation et le faire dans une direction bien précise. Il me semble que sur les stèles, des indications sont gravées. Or, d'après les documents que j'ai pu consulter, il doit y avoir dans le fort une espèce de planétarium lié avec le Cercle de Pierre. Il me semble que c'est l'endroit où je me trouve maintenant. Tant mieux. Dès que vous trouvez quelque chose, vous m'appelez, d'accord? Ok. Terminé. Carnby, c'est moi. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. D'un côté, j'ai trouvé une série de symboles Apkanis qui correspondent à des orientations. Et de l'autre, j'ai devant moi une console qui doit servir à faire fonctionner le planétarium. Mais je ne peux y entrer que des chiffres. Chacune des stèles du Cercle de Pierre indique un point cardinal. Vos orientations ont peut-être un rapport avec le positionnement des stèles. Quelle est la première? Je crois que c'est Nord. Attendez, il y a une inscription au sommet de cette stèle. Un trait. Ok. Un trait. Et sur la stèle sud-est? Pas si vite. J'y suis. Il n'y a aucune inscription sur cette stèle. Je commence à comprendre. Allez à la stèle ouest. Stèle ouest, trois traits. Stèle sud-ouest? Ok, un trait. Ce n'est pas fini. Encore un petit effort. Stèle est. Stèle est, deux traits. Et maintenant? Et si je vous dis nord-est? Je vous réponds... rien. La stèle sud-est. Vous êtes sûr? Mais elle est déjà faite, celle-là. Croyez-moi. Ok. Rien, évidemment. Et pour finir, la stèle sud-ouest. Stèle sud-ouest, un trait. Parfait. Bon, maintenant je dois réfléchir. Je vous rappelle. Oh non, j'ai pas fait tout ça pour... Alors, grand chaman, ce rituel? Ok, oui, je sais. Je vous fais confiance. Parce que moi, je peux vous dire que je me les gèle ici. Oui, je crois... Attendez... Vos indications correspondent... à la date d'aujourd'hui. Hein? Oh, je crois que je commence à comprendre, moi aussi. La date du rituel, l'ouverture de la porte, les statuettes... Je rentre la date dans la console du planétarium. Oh, c'est extraordinaire. Les planètes s'alignent... vers l'est. Je dirais que vous avez fait ça toute votre vie. Je vais procéder au rituel. Je vous rappelle. Carnby, soyez prudent. Je vais faire ce que je peux, mais je ne vous promets rien. Terminé.
Alors, grand chaman, ce rituel? Ouais, vous rigolerez peut-être moins quand je vous aurais dit que j'ai récupéré une statuette et une sorte de disque de pierre. Un disque de 25 cm de diamètre? Tout juste. J'en ai besoin. Il faut absolument que nous nous retrouvions. Je prends le chemin du fort. Vous venez à ma rencontre. Ok. Préviens que je n'hésiterai pas à tirer. Aline ? Carnby ?
m'avez flanqué une de ces trouilles. Oh, excusez-moi. Je sens comme un regret. Ne plaisantez pas avec ça. J'ai l'impression que tout cela ne mène à rien. Je n'ai trouvé que des bribes d'informations, des morceaux d'un puzzle qui ne correspondent à rien. Comme ce seau. Un seau ? Montrez-le-moi. Oh, oh, pas si vite. Vous avez le disque de pierre ? J'apprécie votre confiance. Excusez-moi, mais j'ai appris à me méfier de tout. Que vous le vouliez ou non, nous sommes partenaires. Nous n'avons plus de temps à perdre. Bon, d'accord. Si discuter avec moi est une perte de temps... Ah, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que vous avez dit. Voici le seau. Donnez-moi le disque de pierre, j'en ai besoin. Bon, mais il faut que vous sachiez que j'apprécie énormément votre courage. Et seulement mon courage ? Pour le reste, on verra ça plus tard. Allez, bonne chance. À vous aussi, Carnby. Carnby, j'ai 3 statuettes. Moi aussi, et j'espère qu'Eden Shaw a la 7e. Il faut que nous le rejoignions à la porte. Je crois que tout se joue maintenant. Et comment m'y rendre ? D'après le journal d'Alan, il y a un passage qui part du fort. Vous m'êtes tellement utile que j'ai l'impression que vous me devenez indispensable. Allez, Lynn, ne perdons plus de temps.
Carnby. Aline, je suis dans le souterrain qui mène à la porte. Moi aussi. C'est fantastique, c'est toute une culture qu'on croyait jamais disparue. Oh, quelle richesse! Ce n'est vraiment pas le moment. Mais vous vous rendez pas compte? La civilisation Apkanis a dominé cette partie du monde pendant plus de 40 siècles. Nous ne sommes que... Nous ne sommes que de simples humains qui essaient de préserver ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie. Carnby, je sais que vous avez raison, mais j'ai du mal à l'admettre. Accéder à tout ceci pour le perdre aussitôt... Écoutez, nous n'avons plus le temps. Je sais... Aline, je vois que nous en sommes arrivés au même point. Le temps est proche. Il faut nous dépêcher ou même notre sacrifice sera inutile. Vous vous mettez à parler comme les gens du coin ? C'est comme si j'étais investi d'une mission. Eh oui, bienvenue au club. Il y a par là une stèle avec des inscriptions dont j'aimerais connaître la signification. Suivez-moi. Alors, vous pouvez la déchiffrer ? Attendez. Oui, je crois. La porte est devant toi désormais. La porte qui retient l'ombre dans les replis de la terre. Toi qui t'apprêtes à l'ouvrir, tu dois savoir que la nuit maintient l'ombre dans ses cavernes, mais que le soleil l'appelle. Ainsi, si la porte est ouverte, alors que l'astre de lumière darde ses premiers rayons, l'ombre se répandra sur la terre, préparant le terrain pour ses créatures. Elles déferleront alors à la surface de la terre et se nourriront du sang de tous les fils de la lumière. Merde! Répétez, j'ai pas compris. Je crois qu'il s'agit des sept dieux de la lumière. Ouais, et celui du milieu, ça doit être Hécaton Kyrès, le dieu des dieux. Vous y croyez, vous, à cette légende ? Et vous y croyez, vous, à cette île ? Allez, dépêchons-nous. Je t'en supplie, Alan.
Tu n'as pas idée des conséquences de tes actes. Eden Shou, depuis des années tu m'observes, attendant ce moment juste pour vérifier que tes pouvoirs de sorcier sont intacts. Mais il est trop tard. C'est avant que tu aurais dû me supplier. Tu sais, comme moi, que c'est le jour, ou plutôt la nuit. Tu trembles, mais tu es comme les autres. Tu es fasciné. Je me rends compte que seul mon père a su s'opposer à cette folie qui habite les Morton. Et il en est mort. C'est moi qui l'ai tué. Tu voudrais que je renonce maintenant? Toute ma vie, je l'ai consacrée à cet instant. Votre monde humain n'a jamais eu d'intérêt pour moi. Mes recherches ont abouti. J'ai créé un nouvel être. Un être sans conscience, sans sentiment, sans souffrance. Un être qui ne connaîtra ni le doute, ni l'espoir. Bientôt, mes enfants domineront la terre. Et mon frère, ce pauvre lâche, sera des leurs. Je sais ce que cette statuette représente, et c'est pour cela que je l'emporte avec moi. Tu pensais qu'en détruisant mon monde, tu accomplirais ton destin? Je ne te ferai pas cette joie. Ôte-toi de mon chemin. Et vous, étranger, je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Mais sachez que vous allez bientôt connaître le goût de l'ombre et de l'oubli. La lumière m'a trop longtemps régné sans partage. Que l'ombre se répande sur le monde. Bonazza, Ternas, Kuro, Helie, Zeir, Hekatonkires. Je vous en conjure, n'abandonnez pas. Si je ne récupère pas la 7e statuette, nous serons tous perdus. Mais Carnby est mort. J'y arriverai jamais toute seule. Votre ami n'est pas mort. S'il était mort, cela voudrait dire que les dieux de la lumière nous ont abandonnés. Et alors, nous n'aurions plus qu'à nous agenouiller en attendant l'ombre. Croyez-moi, Carnby n'est pas mort. Je sais ce que veut Alan. Faire disparaître la 7e statuette au plus profond des ténèbres, et m'empêcher ainsi d'accomplir le rituel. Il faut que vous l'arrêtiez avant que le soleil ne se lève et que l'ombre se répande. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je suis venu ici pour authentifier une traduction et rencontrer Obed Morton. Et je me retrouve à risquer ma vie à chaque instant en combattant des créatures terrifiantes. Notre destin est écrit, mais nous ne savons pas le lire. Apprenez à vous souvenir de vos rêves et prenez votre décision. Mais vous savez pertinemment que je ne peux pas refuser. Je suis déjà allé trop loin. De l'autre côté de la porte, il vous faudra survivre. Sachez que l'eau des sources qui s'y trouve vous guérira de tous les maux. Mais faites attention, elles sont rares. Allez, notre monde est entre vos mains. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous entendre. Aline, j'ai fait un rêve étrange. D'ailleurs, c'est la première fois que je me souviens d'un de mes rêves. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Où êtes-vous? Sur un surplomb rocheux, au-dessus d'un gouffre. Vous avez eu beaucoup de chance. Il faut absolument récupérer la statuette d'Alan avant le lever du soleil. Eden Shou m'a dit que l'eau des sources avait un pouvoir de guérison.
C'est déjà ça. Je vous jure que nous allons y arriver.
Guerrière, tu es vaillante. J'aime que les enfants de la lumière soient emplis de courage. Prends cette amulette, car tu as encore beaucoup de combats à mener. Et moi, Hécaton Kyrès, je te souhaite la victoire.
Thank you.
Si j'avais le temps, je vous féliciterais pour votre courage. Mais il est trop tard, pour vous comme pour tous les autres. Plus rien ne peut désormais m'arrêter. Regarde! Regarde ce que tu as fait à ton frère! Obed? Mais... Gambi, ça y est! Je la tiens! Vite, remontez! C'est l'enfer par ici! Je peux pas remonter! Il faut que je trouve un autre chemin. Allez-y, nous nous retrouverons plus haut! Mais... je ne peux pas! Mais bon sang, allez-y, je vous dis! Je me demandais si... vous, de votre côté, vous... La vie que je mène ne me laisse pas le temps de construire une histoire. Mais qu'est-ce qui vous fait avancer? Cela fait plusieurs heures que nous combattons des forces qui nous dépassent. Que nous affrontons une puissance qui menace de détruire notre monde. Et vous me demandez ce qui me fait avancer. Mais vous n'y êtes pas obligé? Vous voulez dire que ça me plaît? Vous avez sans doute raison. Johnson, comment osez-vous? Je viens juste d'avoir Carnby. Alors vous êtes une... sacrée belle ordure! Me faire croire qu'Obed Morton était mon père? Je n'avais pas le choix. L'homme voulait absolument que vous vous rendiez sur Shadow Island. Au départ, je pensais que c'était pour les tablettes, mais je me suis rendu compte que son seul objectif était de vous éliminer, vous et Carnby. Parce que vous étiez les deux dernières personnes susceptibles de se mettre en travers de son chemin. Les traductions, Obed Morton les lui aurait fournies de toute façon. Mets la photo! Un simple montage. Merde. C'est quoi votre boulot exactement? Je travaille pour le gouvernement. J'étais chargé d'infiltrer l'organisation de Lamb. Mais apparemment, ma couverture a sauté et j'ai ces tueurs à mes trousses. Écoutez, ce n'est facile pour personne. Je vous ai manipulé en ayant moi-même été manipulé. Tout ce que je peux vous dire est que je le regrette. Maintenant, il va falloir que vous me fassiez confiance. J'essaie de venir vous tirer de cet enfer dans une heure ou deux. D'ici là... tenez le coup. J'ai vraiment pas besoin de vous. Terminé. Carnby, je viens d'avoir Johnson. Quelle ordure. Je sais, mais c'est notre seule chance de salut. Devoir compter sur quelqu'un comme lui, ça me dégoûte. Malheureusement, nous n'aurons pas le luxe de choisir notre sauveur. Vous croyez qu'il va nous tuer? C'est vrai que nous en savons un peu trop pour mener une vie tranquille. Que voulez-vous dire? Que votre vie a radicalement changé le jour où vous avez accepté cette mission. Je comprends pas. Je vous dis simplement qu'il faut vous faire à l'idée d'abandonner votre vie actuelle. Nous allons devoir disparaître, changer d'identité. Je suis désolé pour vous. Et qu'est-ce que j'y gagne? Un ami. Vous savez,
J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Dans d'autres circonstances, vous ne m'auriez même pas adressé la parole. J'apprécie votre lucidité. Aline, comment dire? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Pas précisément. Quelques-uns seraient plus exacts. Ah, je vois. Vous voyez quoi? Que vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur. Ouais, bien rattrapé, monsieur Carnby. Aline, c'est Johnson. Mon Dieu, Johnson! Si vous êtes du gouvernement, alertez vos supérieurs! Faites intervenir l'armée! Faites quelque chose! Je ne peux pas. Je n'ai plus aucun pouvoir. Lamb m'a grillé. Carnby m'a dit que Lamb avait la traduction. Vous comprenez sans doute ce que cela signifie. Oui, ça veut dire qu'il a les moyens d'ouvrir la porte des ténèbres. Les portes des ténèbres. J'ai découvert que Lamb avait repéré deux autres portes. Oh non, ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Le pilote de l'hélicoptère m'assure que nous serons là avant le lever du jour. Je vous en prie, ne lâchez pas le morceau. Je tiens bien trop à vous casser la gueule pour tout laisser tomber maintenant. N'écoutez pas! Tirez! Tirez! Oh, mon Dieu! Ma fille, tu n'oseras pas tirer sur ton père! Vous n'êtes pas mon père! Personne n'est mon père! J'ai fui. Je vais les retenir. Mais... et vous? Venez. Je suis un homme. Je suis un fils de la lumière. Venez! Carnby, je viens d'avoir Johnson. Il m'a dit qu'il existe d'autres portes des ténèbres. Cette folie n'aura donc jamais de fin. Une telle histoire ne peut pas se finir si vite. La seule question qui se pose est... est-ce que vous êtes prête à poursuivre la lutte? Avec vous? Oui. Je suis prête.
J'ai la statuette. Tout va s'effondrer. Courez. J'ai aperçu un hélicoptère sur la grève ouest. Dépêchez-vous, il nous reste très peu de temps avant que le soleil ne soit complètement levé. Mais et vous ? Je peux désormais accomplir mon destin grâce à vous. Soyez-en remerciés. Allez ! Vous l'avez pas volé. Spécialisé dans ce que les scientifiques appellent la tectonique des plaques. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé ? Shadow Island se trouvait apparemment sur le point névralgique d'une microfaille. Cette faille s'est brusquement élargie d'une dizaine de mètres et l'île a littéralement coulé. Mademoiselle Wallace, vous pouvez envoyer sa petite récompense à Fishburne. Alone.